une cinquantaine de personnes, de 100 personnes dans une même maison. Ça veut dire. Donc, l'appel que je dois lancer à tous les patriotes de Guinée. L'unité, la paix de la Guinée, la paix de Guinée est au-dessus de tout le monde. Chacun de nous doit se lever. Nous devons nous donner les mains pour que la Guinée continue à être une famille, que la Guinée continue à vivre dans la paix et la quiétude. C'est pourquoi je lance un appel surtout à la presse. La presse qui est le quatrième pouvoir. S'il y a la bataille que Dieu protège, il n'y aura pas de journalistes, il n'y aura pas de médecins, il n'y aura pas de mécaniciens, il n'y aura pas de RPG. Chacun va se chercher. Et je lance un appel à la justice. Ça, écoutez bien ce que je dis. Des gens ont été arrêtés. On les a sortis à la télévision. Certains ont dit qu'ils sont là, que c'est Cunex. Laurent Damaro a expliqué la mission de Cunex sur Internet. Nous ne voulons pas que ce dossier soit classé. Comme le dossier du Seigneur Grenac. On en a parlé, on a parlé de Grenac ici pendant un moment. Il y a eu des preuves, des photos à l'appui, des personnes connues. Pour nous, le dossier a été étouffé, même si le gars est en prison. Les auteurs continuent à vaquer à leurs affaires. Les commanditaires. Pour ce cas précis, ce n'est pas pour le moment donné, les gens veulent déstabiliser la Guinée. Je lance un appel à tous les sages de Guinée. Quand je dis sage, ce n'est pas celui qui a 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans. Tu peux avoir 90 ans et ne pas être sage. Tu peux avoir 80 ans, avoir le même comportement qu'un jeune de 16 ans. Donc je lance un appel à tous les sages de Guinée de dire à ces soi-disant sages d'arrêter les propos ethniques. D'arrêter les propos qui peuvent pousser à la guerre civile en Guinée. Je le dis bien, je prononce son nom ici devant le peuple guinéen. Et là, Serma doit arrêter. À cause de son âge. Mais je suis un garant de l'unité nationale. Je suis contre l'ethnocentrisme. Je combattrai pour les individus, pour Malinké, pour Soussou, pour Paris, pour Forestier qui ira sur le chemin de l'ethnocentrisme. Ça doit être clair pour tous les Guinéens. Et là, c'est au moral, je le demande respectueusement d'arrêter comme c'est trop. S'il n'aide pas à la semaine prochaine, je prends aussi la responsabilité d'ouvrir un dossier. Je vous le dis. Quels sont tes autres? Est-ce que les anciens parlent au nom de Soussou? Je ne comprends pas.
Je vous comprends. Cinq dissidents. La Pascope, c'est toujours pas du boulanger. La Pascope, comme un seul homme, s'est mobilisé pour l'indépendance nationale en 1950. La Pascope s'est mobilisé comme un seul homme en 2010 pour dire à Pacondé, oui, Pamba, à Saint-Pierre. Donc je demande au cadre de la Pascope de dire à la Serona, à Kadam. Respectueusement, je ne veux pas le parti, je ne veux pas parler de lui, on ne veut pas l'attaquer. Mais un moment arrivera, nous avons la responsabilité historique de nous dire d'arrêter. Nous avons la responsabilité historique de dire qu'il a été le président des présidents en Guinée. Nous avons la responsabilité historique de rappeler comment il est venu. Je pense qu'il est âgé, il est malade, il n'a pas cherché à se soigner. S'il ne peut pas contribuer à la paix en Guinée, s'il ne peut pas contribuer à l'unité nationale, à la coalition, nous le demandons tranquillement de prendre sa retraite, se soigner pour que demain, si quelque chose arrive, qu'il ait pour le honneur de ce peuple de Guinée. Et ça, je le dis encore une fois de plus, qu'il arrête, sinon nous serons obligés de défendre l'unité de la patrie. Il a dit hier que les officiers américains, les officiers français sont en train d'arrêter les officiers dessous et les officiers peu. C'est grave. Nous demandons au ministre de la Sécurité, au ministre de la Justice, de Genève. Parce que comment quelqu'un qui est en Genève peut contrôler
situation dans, pendant une manifestation en Guinée. Donc s'il vous plaît, je n'ai jamais été aussi sérieux qu'aujourd'hui. Jamais. Ah, je suis à la santé. À l'opposition.
toujours. Nous ne sommes pas dupes. En tant que composant de 1991 à 2010, le PG a toujours eu son service de sécurité. Même s'il y a les postes de défense et de sécurité, nous aurons nos propres sécurités. Et cette sous-commission est présidée par notre ami Serge Sopé Touma. Donc ça, c'est juste donc, il y a plusieurs sous-commissions et pour les femmes, pour les jeunes du parti, les sages, les transporteurs, les mouvements de soutien, chacun est membre d'une commission et les portes des commissions ne sont pas fermées. Chacun de vous peut appartenir à une commission pour apporter sa contribution à la réussite de cette manifestation. Mais avant de terminer, je félicite un groupe de femmes qui avait une initiative d'organiser quelque chose hier vendredi. Je ne citerai pas les femmes, mais certaines sont parmi nous, elles se reconnaissent. Nous sommes fiers de vous. Ce sont ces femmes qui nous ont alertés. Elles ont ouvert nos yeux. Elles étaient prêtes à sortir pour défendre la Guinée et le professeur Fakonet. Les amis du président, les amis de la Guinée, ça je l'insiste, les amis de la Guinée ont dit à ces femmes, il faut ce soir cette manifestation du vendredi pour que vous vous rajoutiez à nous pour recevoir le président le jeudi. Donc à ces femmes qui sont présentes ici, je ne cite pas leur nom, nous sommes fiers de vous, nous vous disons merci. Mais continuez la sensibilisation et la mobilisation. Les femmes sont les plus nombreuses dans ce pays. C'est que femmes vieux, Dieu le veut. Yes.
Monsieur. Le directeur national du Sénégal et de l'étranger a dit dans une émission que Macky Sall n'a pas le pouvoir de passer un troisième mandat. Vous n'avez même pas inquiété. Son mari, M. Bouba, le cancer est sous-traité.